Il surplombe la vieille ville de Yazd et protège ses habitants des chaleurs de plomb depuis des générations. Les badgirs, attrape-vent perçant, agissent comme une climatisation naturelle. Inventé il y a 2500 ans, le système répond aux besoins et aux enjeux de la ville, aujourd'hui encore. Grâce à sa conception, le badgir va enfermer l'air frais à l'intérieur. C'est une énergie propre et facilement disponible qui améliore la qualité de vie globale de façon naturelle. En effet, quand l'air frais entre par les fenêtres, il chasse automatiquement l'air chaud plus léger. Avec ses 700 attrape-vents, Yazd fait figure de modèle. L'UNESCO l'a même désigné comme une source d'inspiration pour la nouvelle architecture et c'est déjà le cas à Melbourne par exemple. La technique y a été utilisée pour ce large bâtiment administratif. Aux Émirats Arabes Unis, c'est Masdar City qui l'a intégré dans son urbanisme. Mais la cité millénaire iranienne renferme encore d'autres secrets sous terre cette fois, les khanats, des galeries souterraines qui acheminent l'eau des montagnes ou des nappes phréatiques vers les lieux de vie. Les aqueducs souterrains sont très utiles car ils acheminent des sources d'eau fiable. Cette eau permet de refroidir les maisons. C'est aussi une technique utilisée pour conserver les aliments à des températures optimales. Témoin de méthodes ancestrales qui sont autant de solutions pour l'avenir, la vieille ville de Yazd est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017.